chez Ryuji sur le stream. Alors moi je préfère mettre Tiger Core puisque c'est un petit pseudo, mais... Je sais pas, mais elle a mis... Bah, ça correspond à ce qui est écrit sur le bracket. Oui, voilà, faut pas aligner les gens, d'accord, voilà. Avec Hector et Ryuji, c'est pas la même personne. C'est un autre réformé. Et rebonjour. Rebonjour. Mais le chat, ils sont pas très éloquents. Genre, ça. Enfin, ouais. Depuis qu'on a casté ce matin, il n'y a rien eu de plus. Ou alors, on a un problème ici, mais je crois pas. Enfin, j'ai pas eu vent de problème en tout cas. À un moment, je crois que le stream a freeze un peu, mais il y a eu le retour sur. À la régie. Donc, normalement, ça a dû être arrangé depuis. Mais, ok. Bon. Mais oui, vu qu'il y a eu la pause aussi au milieu. Donc, Oui, c'est ça, oui. En tout cas, bonjour à tous ceux qui nous regardent. C'est qui joue au mondial là ? C'est pas ton pote ? Non. Je vais lui dire. À répéter. Ouais, et amplifier. En Ramon Auger ? Cache là. Mais c'est super tôt. Pourquoi je suis là, mais je suis là ? Mais en vrai, on. La salle est hypée par Enragon OG, qui a lieu à l'instant même au Wanted à Paris. C'est mais par contre, la winner Final Fire Ryuji, tout le monde s'en bat les steaks. Là, écoute, je même eux, ils sont en train de regarder pas. Le stream. Hein. J'imagine winner round 2, du coup, parce que 3, ouais. le tournoi a commencé il n'y a même pas une heure, donc je ne sais pas. Ça a peut-être round 3. Tôt. Parce que OG en Ragon, c'est déjà deux beaux morceaux. Enfin, je trouve que c'est tôt, mais. C'est des bons joueurs, mais après, voilà, ça dépend. Peut-être qu'en Ragon a prévenu les Théo de le cider un petit peu plus bas s'il joue un autre perso. Je sais qu'il a joué la semaine dernière et il a 0-2 avec Pokémon Trainer. Ça mais peut être influencé aussi. Peut-être aussi. Mais là, il a fait le side event, donc il a joué Pokémon Trainer. Il est allé assez loin, je crois, 5e place ou 7e place. Ah oui, quand même. Donc, tranquille. Surtout que le side event, c'était juste le stage, c'était les stages Kirby qui étaient autorisés. Donc, c'est pas non plus un side event qui va grandement influencer sur ton jeu. Enfin, c'est pas un Squad Strike ou. Oui, voilà. C'est quoi, tu gardes le même perso tout le long. Il y a peut-être Albert qui risque Albert. de troubler un peu les joueurs, mais c'est vrai qu'il y a du triplate avec Dreamland, donc oui, voilà, c'est pas ça. Dreamland, non, avec Fontaine des rêves. Oui, Fontaines of Dream. D'ailleurs, c'est un stage sur lequel je peux pas jouer parce qu'il y a trop de trucs, c'est horrible. Il y a des trucs trop beaux, ça brille partout. Ouais, mais ça utilise toute la capacité de concentration de mon cerveau et je fais n'importe quoi. C'est vrai qu'il est assez chargé, hein, comme ouais, stage. Il a causé quelques soucis au début du jeu en plus vu qu'il y avait du lag. Ouais, c'était fou ça. Hein. C'était plutôt drôle. Mais bon, j'ai entendu un ban de Yoshi's Island de la part de Fire. On verra sur quel stage ils vont partir. Et c'est le seul ban que j'ai entendu sur 4. Bien joué. Battlefield. Ça part sur champ de bataille. Sur Battlefield. Battlefield. Bon, je pense qu'on va avoir le droit à un Ike in cinéma. Voilà. Ça m'a l'air d'être parti pour ça, effectivement. Ça m'a l'air honnête. Honnête. Comme le stage de Mother. Non. De Earthbound. Non. C'est parti, donc c'est un bon stage pour Ike, je le sais. Pour Incineroar, je sais pas du tout. Je dois avouer que je sais pas comment il s'en sort là-dessus. Alors, étant donné que je crois que Fire a ban en premier, donc ça veut dire que c'est lui qui a choisi le stage. C'est il me semble que c'est Ryuji qui a choisi ah le bon. Stage, vu que c'est pas Fire qui a ban en premier, il me semble. Je ne sais pas. J'avoue que bon, Incineroar sur Battlefield, je pense pas que ça le désavantage tant que ça quand même. Hein. Ça peut peut-être follow pour les combos dès qu'il y a l'adversaire en désavantage. Et c'est vrai que ça peut peut-être permettre de mieux reset le neutral pour Incineroar aussi avec les plateformes. Il peut mix-up un peu les recos. C'est possible, ouais. En tout cas, il se débrouille pas trop mal. Là, il s'est fait un peu remonter, mais il avait quand même un bon avantage. Donc là, voilà. Avec Hector qui revient sur le stage et il se fait tuer à l'upper d'Incineroar. J'allais dire, il a bien joué, il a évité le lash trap en passant par-dessus avec son side B. Mais c'était pas mal. Mais malheureusement, il s'est fait avoir derrière.
Non. Donc là, ça passe en situation. Ouh là là, alors ça c'était... Ouais. Ouh. Bah c'est vrai que c'est assez prévisible la reco de Incineroar. T'as le temps de le voir faire son up B, faire son side B pour revenir. Donc ouais, c'est sûr que avec le bon timing. Ouais, c'est facile de contrer sa reco, hein, de pouvoir faire quelque chose. Alors, c'est en situation de tech chase, mais ils ont été très patients des deux côtés. Aucun a commit, et du coup, Fire perd sa première stock sur le up air de Ike. De Ike Hector. J'ai l'impression que le up air des deux côtés, c'est un bon outil hein, ouais, pour tuer. Ouais, ouais, clairement. Ah les deux ont sorti leur super armor. C'est ça. Bataille. Donc ça balance des grosses hitbox hein, quand même. Tu te prends un coup, ça fait très mal. Ouais, il faut vraiment faire attention à pas se prendre trop de coups, parce que là, dès qu'il y en a un, ça fait super mal. Tu peux pas te permettre trop d'erreurs ni trop de commits du coup par la même occasion. Bah les deux sont des personnages assez lents en plus, donc c'est vrai que ça peut se faire punir. Ike a l'avantage de la porter avec son épée. Ouais. Là la Upsro qui prend la stock. Ouais, Ryuji qui va essayer de la T-trap. Oh là là. C'était impeccable. Ça faisait vraiment... Non, franchement, ouais. L'écran s'est mis à trembler. Tout s'est arrêté. Le neutral B qui catch bien les spot dodge de l'adversaire. Parce qu'il aime bien les neutral B fire. Spot dodge. Mais c'est un bon outil. Parce que c'est vrai que ça a beaucoup de prio, j'ai l'impression, sur beaucoup de coups. Ouais. Ça clanque. J'ai pas l'impression qu'ils se mettent énormément en danger pendant le coup, par contre. Ça a du lag après, à la fin. Ouais, ça a énormément de lag à la fin, ouais. Ça sort très vite. Même sur le shield, hein, c'est assez safe parce que ça shield poke. Ouais, clairement. Backstraw. Le petit German suplex. Et ben c'est... Ouais. Très bien joué pour le 2 frame. C'était propre, hein. Ouais, c'était assez sympa. C'est vrai qu'il a beaucoup de follow-up derrière avec son down tilt, surtout au ledge comme ça. Il peut attaque cancel, bear ou même un fer, visiblement ça prend la stock aussi. Il n'y a plus d'internet. C'est pour ça qu'en fait on n'a pas de. Ah yes! C'est 3 bans, oui! Je comprends pas comment utiliser. Bah ouais, bah je sais pas, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave aussi. Du coup, on c'est repart sur Battlefield. C'est un stage auquel il a confiance, Ike, sur lequel il a confiance parce qu'il peut, il a beaucoup de combos, il peut extendre ses combos justement au nerf pair, qui sont des très bons kills confirment. Hein. Oh, ouf. Et ça tue. Un ça très beau side B là. Bah, il était revenge, il avait la revenge donc. Ouais. C'était vraiment le bon moment de le placer, il était du bon côté et tout. Nickel. Là, voilà, on peut voir que ça met beaucoup de pression quand même, le neutral B de Fel Inferno. Ouais, là il a quand même une avance assez confortable. Il va falloir que Ryuji soit très patient pour pouvoir remonter. Ce qui est possible, là on l'a vu on a pu voir pendant ça son tout set à l'heure, contre hein. Mehdi, voilà exactement. Le side B, c'est vrai qu'il est quand même assez intéressant sur Incineroar parce qu'il peut faire un short hop et de suite enchaîner avec le side B. Et c'est vrai que ça peut surprendre l'ennemi. Bah surtout un ennemi qui va être lent, c'est sûr que c'est quand même un outil qui est assez bon du coup. Le up air pour éviter de se faire edge guard. L'Upstro qui l'a tué. Bon, il avait beaucoup de pourcent aussi oui, sur le coup. Il a 180%, donc c'est normal que ça tue, je pense. Ah. Là, j'ai l'impression que
Ouais. Donc là, les pourcentages montent. Les deux adversaires jouent au corps à corps parce qu'aucun n'a de projo. Ah. Je sais pas par contre, quand il envoie ses adversaires en l'air avec son side B, j'arrive pas à savoir si c'est vraiment un miss input, au niveau du timing, s'il se trompe et qu'il envoie son adversaire en l'air, ou si c'est vraiment voulu de sa part pour le mettre en désavantage. Je crois que c'est... Enfin, je sais pas s'il le choisit ou pas. Je sais qu'on en discutait là l'autre jour, justement, souvent offstage, c'est intéressant de pas finir le side B. Oui. Comme ça, ça l'envoie de l'autre côté, l'adversaire, et ça le met plus en désavantage que s'il le finissait. Après, c'est peut-être une option de mix-up, je ne sais pas. Bah, c'est possible que ce soit un mix-up, parce que là, quand il l'a fait, en tout cas, il avait pas énormément de pourcentage Ike, donc c'était peut-être pas nécessaire de finir le move avec le sweet spot. Bon, là, ça va être... va falloir faire trop attention pour Yuji. Donc là, le neutral B, qui est un bon kill move en plus de ça. Vraiment très très bon outil sur Incinero. Bon, sur sa deuxième game prise par Fire, je vais vous laisser avec des statiques. Re, bonjour à tous. Salut Desta. Donc du coup, là on est à 2-0 pour Fire. 2-0 Fire. Il est l'heure de bien dominer ces matchs pour le moment. Les deux sur Battlefield se sont très bien passés pour lui. J'ai pas vu quel stage a été choisi. On repart sur Battlefield. Les deux adorent ce stage. Posais la question justement sur Incinero parce que je sais que pour Ike c'est un très bon stage pour extend les combos. Ouais, pour être. Oh, aïe. Ouf là. On n'a même pas eu le temps de. Là, il était très motivé. Hein, Une dizaine de secondes quoi. Il veut finir. Il veut finir le set là. Peut-être que Ryoji a sa phase à mettre aussi. Oh dommage. Là, on fait monter les pourcents sur Incineroar. Passe en phase d'edgeguard. Rate le grab. La spot dodge de Tralbeck qui est quasiment impunissable. C'est incroyable. Oui, ça a l'air d'être un très très bon move. Ce que je disais justement juste avant. C'est très bon sur le shield. Ça sort assez rapidement. Il y a de l'invincibilité quand t'es au sol. Ça a beaucoup de prio justement. Le nerf de wall. Donc oui, il y a de la prio. Après, ça le met. Il a un end lag quand même assez long. Ça va, c'est pas si long que ça. Oh la double roll. Oh là là. double roll into. into grab. Turnaround grab. Le F-tilt d'attention qui est très très puissant. Oh joli ça. Oh, si, ça aurait été très joli. Ça manquait peut-être un nerf, ce serait passé. Oh dommage, le petit back air. Ah, fort à trop. Ah non, down trop. Il cherchait le forward air ou le back air là. Side B. Oh, c'est stock avec le side B. Donc là, on a quand même un très très bon avantage pour Fire. Ouais, bah avec Fire là il. D'une stock. C'est pas rien. Félin est lourd donc là faut que Ryuji mette la bonne phase. Hein. Là ça va être chaud. Hein. Ouais, il prend la sauce là. Et les upper pour juggle, c'est super fort. Neutral B qui va chip hook. Très très intéressant comme move sur un perso aussi lent qu'Incineroar. Ah et bah c'est un mur fait l'inferno, hein, c'est ça. Hein. C'est un gros mur. Nair. Ah. Voilà, et je crois que ça va finir sur ça. Voilà. Il avait plus de saut, il pouvait pas revenir. Ouais. Il a pas touché le sol donc. 3-0 Fire, clean. Bien joué à Fire en tout cas. Il a pas trop eu le temps de s'adapter au final Ryuji, surtout avec la stock comme elle est partie c'est vite. C'est dur. Hein. La première stock vraiment. Je pense que ça 10 secondes quoi. Il l'a senti ce spike. Hein, S'adapter en 10 secondes, c'est un peu chaud, je trouve. Il n'avait pas grand chose à faire, il pouvait pas. Il pouvait pas vraiment s'adapter là-dessus en tout cas. Donc je vais te laisser. Je dois aller jouer au side event. Bon match à tous. Tout ce que je sais, c'est qu'à chaque stream, les gars, regardez chaque stream. En fait, il y a un stream là-bas sous les.